Et salut à tous, je suis Apollo, voilà, les mauvais réglages, vous avez l'habitude. Et du coup, puisque j'ai essayé de voir, mais a priori ça ne fonctionne pas, je ne sais pas si vous savez comment compléter l'histoire de Raphaël et de Zassalamel, puisque j'ai refait les épisodes du coup ici, mais ça bloque. Juste après, donc potentiellement, je sais pas si c'est parce que j'ai fait un truc de travers ou quoi, mais je ne pense pas. Voilà. Donc si vous savez comment aller plus loin au niveau des scénarii, je veux bien si vous pouvez me répondre en commentaire. Et du coup, je vous propose de commencer une partie de la balance de l'âme. Avec mon guerrier tout créé, The ray of light from the evil seed pierced the sky, its glow reaching as far as and here we find another person who's consumed by the evil seed, yet still you are quite the interest. Still, you will eventually succumb to the chaos. Alors oui, avec mon guerrier du coup qui se bat normalement sur le style de Geralt, si je me souviens bien, si je l'ai pas modifié entre-temps, et qui a une allure de Romain. Créer un personnage en choisissant nanana. Ah merde, il faut que je recrée, je peux pas prendre celui que j'avais. Bon, bah du coup, on va. Ouais non, on va laisser. Ouais, vas-y. On va lui faire une allonge un peu moins. Ouais, non, normal, ça me paraît bien. Hop. Le visage. Petite barbe. Des cheveux. En bataille, non, coupe mulet, queue de cheval. Ouais, ça ira très bien. Après, j'ai pas envie de jeune aventurier. Weakling, let's go. I can see the fear in your eyes. Why do you choose this fight? Will be a. This should be a good. You will die. Ah, this will be easy. I won't hold back. I can't run away. I can't run away. I won't hold back. Ouais, ça ira très I bien. Won't hold back. Du coup. Je voulais le mettre en épée longue x2. Du coup, on va l'appeler. John. Voilà, ça ira très bien. Du coup, c'est dommage, ça prend pas le perso que j'ai créé à côté. Du coup, bon, bah j'ai créé un perso pour rien. If you can keep a hold of who you are, now arise. Take up your weapon and. Bon, je vais quand même enlever ma cam. Comme ça, je vous laisse profiter un petit peu mieux. Top. Et ça me permet d'être un peu plus serein au niveau de l'image à côté. Alors, convergence.
Ma tête semblait prête à exploser lorsque je me suis réveillé, peut-être à cause du cauchemar que j'ai fait. En tout cas, j'ai eu du mal à reprendre mon souffle et à stopper mes tremblements. Je vais pas faire toutes les voix, je vais faire juste les miennes. Un homme encapuchonné se tenait à mes côtés. Son apparence me donnait l'impression de quelqu'un de taciturne, mais d'une grande volonté. Qu'est-ce que la graine humaine, du coup ? Mais qu'est-ce que c'est les infectés ? C'est quoi mon cauchemar ? Donc. Ouais. La zone près de l'aube du voyage est le dojo de Dorona. Maître en arts martiaux, vous pouvez y faire l'initiation au combat de Soul Calibur. Sus, allez voir le. Vous pouvez vous déplacer n'importe quel vous avez déjà dans le. Ok. Du coup, on va aller au dojo de Dorona. On va faire le didacticiole. Oh. J'ai découvert Dorona, un professeur très respecté dans les armes du combat en Inde. Une référence chez les guerriers. J'ai dû traverser des chemins montagneux très escarpés et franchir des corniches sur le point de s'écrouler avant d'atteindre ma destination. Un dojo entouré par des torrents agités. À côté du dojo, un groupe éclectique de jeunes guerriers venus de toutes parts du monde s'entraînaient aux armes avec enthousiasme. J'ai entendu dire que la plupart d'entre eux étaient des membres de leur royauté ou de l'aristocratie, malgré l'origine modeste de leur maître. Je lui indiquai mon nom, puis lui dis que j'étais venu ici pour apprendre. Je hochai la tête, puis il reprit la parole. Très bien. Bon, c'est un petit mode, je pense, à la façon du maître d'armes de Soul Calibur, où ils vont nous demander de faire deux fois des trucs d'initiation. Je vais refaire tant de. Ouais, c'est vraiment le tuto du coup. Puis genre. Garde. Bon, ils vont nous faire les impacts garde, je suppose. Ah, revirement, mais.
RB c'est laquelle? Celle-ci? Merde. Merde. Attaque. Edge critique. Du coup, il m'a filé du... Fallait le faire deux fois, merde. C'est en même temps. C'est plutôt. Désolé. Non. Maître Drona fit Grismine. La lettre de Maître Drona, le remercier puis quitter le lieu. Bon ben voilà. J'ai pas gagné d'argent, mais l'expérience c'est toujours bon à prendre. Wouah, est-ce qu'on stoppe toutes les... On va stopper toutes les... Ou le tuto. Dès mon arrivée au dojo, Maître Drona m'a accueilli le sourire aux lèvres. Ce coup là, franchement, je pense que pour quelqu'un qui a jamais touché à une série de un jeu de Souls, ça peut être bien. Après, bon, quand c'est des gens qui ont fait qui ont dosé comme moi le 2, et bon, même si c'était il y a longtemps, va relativement vite. Quoi, c'était ça les attaques de touche qui voulaient que ça.
LB. Bon, je suppose qu'il va nous faire un truc sur les sessions de défense. Ah, attaque avancée 2. On continue, hein, écoutez. Tout à fait, hein, de toute façon, c'est une vidéo qui... Je sais pas comment je vais m'y prendre, si je fais tout d'un bloc et je coupe après, ou si... si je vous mets ça à la suite... En même temps, là, c'est des grosses ouvertures. Certaines attaques vont se percer. Ah, se laisser étourdir par une attaque. Putain, j'avais pas vu, j'ai cru qu'il fallait l'étourdir. En appuyant sur LB, ce que vous contrez un ravirement rage. Ça sera contre, mais... Je sais absolument pas comment j'ai fait. Dans certaines positions comme en appuyant sur RV lorsqu'on compte. Ok. Ouais. Je trouve le bon moment, bon timing. Poil de mal quand même.
Ça fait un contre, mais... Ok. J'ai absolument pas compris parce que à chaque fois, je pense que c'est une question de timing, mais. Mais bon. Vos compétences se sont améliorées, mais au fil de votre progression, vous finirez certainement par rencontrer un obstacle qui vous paraît insurmontable. Je répondis à Drona que le Sichuan se situe au sud-ouest de l'Empire Ming, et il ne fait que me regarder d'un air perplexe. Dans ces conseils très au sérieux, je quittais le niveau. Ouais, ça va débloquer des trucs par la suite, je pense. On gagne toujours pas d'argent, mais on gagne un peu d'expérience. Défense avancée. En visitant le dojo, j'aperçus Drona près du portail et salue un autre visiteur. Sur ces paroles, l'élève de Drona le salua et puis il s'éloigna du dojo en empruntant le sentier de montagne. Je demandai à Maître Drona qui était la personne venant de partir. Il me dit qu'elle venait du désert au nord de l'Empire Mini. Le désert, mais pour parvenir en Inde depuis le Sichuan, il faut se diriger vers le sud-ouest. Le désert se trouve dans la direction opposée. J'espère faire le didacticiel dans cet épisode-là, pour être tranquille après. Hey, j'ai bougé. Je me baisse, putain. Hey, il a du mal, putain. Le bagarre de... Hey! Ah merde, j'ai pas lu. Ça m'apprendra de pas lire les objectifs. Encore une fois. Merde.
Les gardes en général. Ça passe. Si je fais pas trop le con, ça passe, ça esquive. Bon, du coup, est-ce qu'on va avoir encore. On dirait pas, mais on prend un tout petit peu de niveau, pas grand chose, mais. Défense avancée 2. Bon, j'espère qu'il n'y a pas encore trop de didacticiel parce qu'on arrive déjà à plus de 25 minutes de vidéo. Et après, moi pour les uploads, c'est un peu la merde. Alors là, je tente des choses, hein. Je suis en 60 FPS sur OBS. Lorsque vous êtes reposé ou ramassé. Ah, c'est bon, non, oui. Ok. Je pense que là ça va être les rétablissements avec attaque. Action en se relevant, ouais. Juste ça. What? C'est quoi l'intérêt? Contrôlez votre chute. Esquiver un enchaînement avec un contrôle aérien. Ah, ça, à la limite, je veux dire. Et si ça fonctionnait, ça serait mieux. Parce que je veux dire, là, je vais. Ça serait bien si ça répondait. Ouais, les impacts gardes. Ça, je sais faire. Merde. Mais. Ils vont faire la même chose en bas, c'est ça, ou en haut? Les impacts inversés. Wow. Merde. Oh. Ah, ça fait un coup fatal en fait. Ok. Lorsque vous êtes étourdi, vous n'êtes pas réduit à exécuter, vous pouvez aussi réaliser des réveillements. Et Dieu. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous demande? Plus rien? Bon. Après la bataille, Drona a pris un air nostalgique avant de poursuivre l'histoire qu'il avait commencé à me raconter plus tôt.
Un guerrier forgeron, voilà quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. La recommandation de Brunel n'était pas tombée dans l'oreille d'un sou. Finalement, peut-être que ça va débloquer des trucs et des bonus d'XP ou ce genre de trucs au moment où on ira dans les zones en question. Oh putain, il y a encore du... Bon bah voilà, leçon finale. Parfait, bon ça fera une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Façon, hein, on voit sur certaines chaînes où ça, où il y a des vidéos d'une heure, que je les regarde, hein, tout. Alors, je vais sur la même commande que l'adversaire pendant... Ah merde. Non, j'ai fait le con, putain. Mais putain, mais j'ai appuyé sur Y aussi. Vous pouvez aussi vous déplacer vers l'avant pour esquiver X. Contre de revirement Edge. C'est pas ça qu'il faut. Ah, si. Merde, trop tôt. Trop tard. Trop tôt. Trop tôt. Trop tard. Putain, j'y arriverai pas. Non. Bien, trop tôt. Je suis mauvais niveau timing quand même, hein. C'est peut-être pour ça que je fais pas de compète, hein, en jeu de combat. Voilà, du coup, on aura fini, j'espère, le... Eh oui. Et donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Et oui, je suis un salaud, je vous fais juste le tuto, et je me tire comme un salaud. De toute façon, je touche pas d'argent, donc, bats les couilles. Et là-dessus,
à ciao, à plus et à bientôt pour la suite. Ciao, bye bye.